Il n'est pas possible de sélectionner une forme transparente en cliquant dans son centre. Il faut cliquer sur sa bordure, ce qui n'est pas toujours facile. Une forme avec un fond de couleur est plus facile à sélectionner. Si l'on choisit la même couleur que le fond de page, elle semble transparente. Mais elle ne l'est pas. En choisissant une couleur de fond avec une transparence totale, on la sélectionne très facilement et elle conserve ses vertus. On peut choisir une couleur de fond différente de celle du fond de page, un jaune par exemple, ce qui donne une légère couleur au rectangle qui reste bien évidemment transparent.